dire la bonne, le bon âge, c'est quand on atteint aux pédales, au palonou. Oui. À 12 ans, on voit des choses, ici et qui refroidit par l'air chaud. L'autre que tu vois dans l'hangar là-bas, c'est le même 1772, mais il est un peu plus rapide à l'occasion de la même puissance. Il est plutôt croisé à 210 km/h. Les réservoirs sont dans les ailes ici, au départ des ailes. Tu as un réservoir de chaque côté, au total tu as 180 litres de carburant, on va consommer 30 litres à l'heure, donc 6 heures à sec, on compte 5 heures pour être tranquille. Donc c'est alimenté par la gravité, finalement tu n'as même pas de pompe pour alimenter ton moteur. Tu as un peu d'arquillage, voilà. Tu as des hélices qui peuvent s'orienter, qui sont condamnées un petit peu de puissance, de vitesse, ça donne effectivement un peu de mal. Avant chaque vol, on a pu faire le tour de l'avion. Tu t'aimes pas ? Si c'est bon. Si c'est bon. Non, c'est pas grave. De toute façon, le roulage, tu vas voir. Non, mais je crois que là. Ouais, c'est pas grave. Tu atteins le bout des pieds, c'est bon ? De toute façon, on va surtout les rouler. Ici, tu retrouves tes instruments principaux, le fameux T des instruments principaux. Horizon artificiel, 55 nœuds. La montée sera à 80 nœuds. La croisière vers 100. Et à l'atterrissage, on sera vers 65, entre 60 et 70. Altimètre, on est bien à 1000 pieds. C'est bien l'étude du terrain ici. Conservateur de cap, pour savoir où on va. Lui, il ne sait pas où est le nord. Donc il faut qu'on le règle. Tout à l'heure, quand on aura démarré, on le réglera en fonction de notre boussole qu'on a là. Indicateur de virage, la bille, qui est comme un niveau de maçon là, qui permet de savoir si on est symétrique. Et là, c'était pas l'aunier qui vont la diriger. Donc, ah oui, c'est le. Exactement. Donc si tu as la bille d'un côté, tu appuies du côté où tu as la bille. Le pied chasse la bille.
4 ici, vers le bas, les deux. La batterie et l'alternateur, les deux boutons rouges sur le bas. Et on sort la clé. Tac. Nickel. Ça va? Oui, trop bien. Derrière aussi, ça va? Super. Ça va, ça va. La poche est saine et sauve? Oui, oui, elle s'en est sauve. Des fois ou pas? Ouais, ça bougeait un peu quoi, c'est surprenant. On n'a pas l'habitude. Hein. Je crois que je n'ai pas l'estomac assez accroché pour être pilote de chasse. Parce que les pilotes de chasse, ils ont un mode de pilote de chasse, de pilote automatique qui tient 500 pieds sol, donc beaucoup plus bas que ceux qu'on a volés, et qui suit le relief. Donc les mecs, ils mettent les mains sur les poignets, là, les mecs et les nanas, les pilotes, et les navigateurs, et ils se tiennent. Et c'est la machine à la vie, il paraît que c'est horrible. Ah ouais, ouais. Je veux bien le croire. Attention les pieds, ah oui. Je recule pour sauter. Je sauve que quand on est arrivé. Et bah félicitations. Bravo. Voilà, merci. Merci à ce jeune homme. Bon, c'était nickel. Parce qu'il y a une modif, en fait.